Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le quatrième épisode de la toute première saison de Pick All Blocks. Alors, je rappelle brièvement le principe, il s'agit d'une saison en hardcore sur Minecraft en 1.6.4, sans mode, où je dois ramasser tous les blocs et items du jeu et les mettre dans un musée. Voilà, ça c'était pour le petit rappel, je vous invite pour ceux qui découvrent à regarder l'épisode de présentation. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé, on allait se farcir une caverne. Ouais, parce que je vous avais un peu saoulé, je pense, avec la construction de l'épisode précédent. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai fait un peu le fifou dans l'épisode précédent, parce que y aller comme ça, c'est peut-être pas une super idée, parce que j'ai quand même 20 lingots de fer, et peut-être bien... c'est pas par là, c'est par où? Parce que c'est déjà... Je crois que c'est par là. C'est peut-être bien ce que je me fasse une petite épée. Voilà, c'est ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Bon, ça reste pas très grand, mais honorable. Alors, non, c'est pas ça. C'est ça. Donc, au moins une épée. Une épée en fer. Voilà, l'épée en fer, ok, check. Ensuite, pourquoi pas ne commencer à se faire un stuff. Parce que du coup, voilà, on a ça, et il me reste une pioche. De toute façon, il faut que je fasse la pioche, c'est indispensable. Voilà, donc, on démarre avec ça. Comme ça, j'ai un minimum de défense, voilà. J'ai la moitié au moins de la barre, et en plus de ça, j'ai de quoi attaquer. Eh bien, j'ai du charbon aussi, alors attendez, j'ai du bois, on va refaire des torches... J'ai du bois, j'ai du charbon, j'ai de la pioche, j'ai de la pierre, j'ai de quoi me nourrir. Eh ben allons-y. On y va. C'est parti. Alors je vous préviens, je vais flipper. Hein. Je sais que je vais flipper. Je déteste... Oh génial. Je déteste les grottes. Oup, 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 oup. Un zizi vert. Oh. Et pourtant j'allais sprinter pour te faire reculer, mais non. Ah. Fail. Non. Plus je vois rien. Ok, génial. Deux sources. C'est super. Alors, on va récolter quand même ce qu'il y a là-haut. Hein. On va pas laisser passer ça. Alors, attendez. Il est là. Je me suis pas fait une... Ah si, j'ai fait une pioche en pierre quand même. C'est au cas où il y a du diamant que j'ai pris ma pioche en fer. Hein. Quand même. Du coup, là, je vais refaire un stock de fer. On va finir le stuff, on va démarrer par le stuff avant de faire le reste, c'est-à-dire les blocs et tout ça. Et il y a énormément de fer là ou quoi? Waouh. Attendez, je vais essayer d'attraper. Oh la vache, c'est quoi ce filon? Jamais vu ça, honnêtement jamais vu ça. Non. En 2 ans et demi je crois déjà, de carrière Minecraft, eh ben dis donc, j'avais encore jamais vu autant de fer à côté. Je vois rien. Et donc vous non plus. Hop. Il reste ces deux morceaux là. Trois, pardon. Quatre. C'est bon? Oh mais la vache. Et j'ai pas fini, hein. Il me reste ce petit morceau là. Il devait y en avoir deux ou trois, c'est pas possible. 25. 25, nom de Dieu. Il faut que je mange. Voilà. Voilà. Ok. Là, il y a du charbon. On va reprendre un petit peu pour éviter de tomber en rade. Là, du coup, on va trouver plein de ressources. Et ça va être la galère. De toute façon, il va falloir que je trouve suffisamment de diamants pour me faire tous les trucs qui nécessitent du diamant. Donc, y compris tout le stuff complet en diamant. Et oui. Ça va être énorme, ça va être super long et je suis pas sûr d'y arriver. Alors pour rappel, j'ai mis le jeu en hardcore, comme ça au moins il y aura une fin. C'est-à-dire que je pourrais très bien finir le jeu, enfin finir le défi en jouant la petite tapette qui va pas dans les grottes, qui fait du minage au petit et tout. Mais c'est quand même plus fun d'avoir une épée de Damoclès en fait au-dessus de la tête, c'est cool. Et puis aussi si ça commence à me saouler comme ça, du coup je pourrais arrêter. Enfin du coup ça me permettra d'arrêter plus facilement. Et puis les prochaines saisons, si ça vous plaît, ça sera avec des mods. Genre rajouter des mobs, tout ça, parce que si c'est trop facile, après c'est pas drôle.
J'ai combien? 60? Allez, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Maintenant, allons-y. Prendre un seau d'eau. Toujours important un seau d'eau quand on se bat dans la galerie. Là, ça me permet de faire une barrière naturelle. C'est plutôt cool. On va rester comme ça. Est-ce que ça descend encore ici? Oh oui, joli. Là, ça remonte. Là, ça va à droite. On va explorer juste ici. Ok. Ici, c'est vide. Check. Allons par ici. Alors, un sacré filon de charbon ici, rien d'autre. Pas que je me prenne des mobs sur la figure. Eh, on commence à bien descendre là. Alors là, c'est un véritable gruyère. Oh, me faites pas flipper. Nom de Dieu. Il y a de la lave là-bas. Ne pas tomber ici. Nom des Dieux. Bon, ok, ça va pas très très bien. Hop. Attendez, je sais ce que je vais faire. J'ai ma table de craft. Non, j'ai pas de table de craft. Ok. Ben, on va s'en faire une. Rapidement, je vais me refaire des pioches en fait. Je vais me refaire des pioches, tout simplement. Je vais pas utiliser ma pioche en fer pour rien. Voilà. On reprend ça. Voilà comment on va faire. Je vais utiliser cette pioche là. Et à l'aide de l'ancienne pioche, je vais la réparer. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Nickel. Donc, il va falloir que j'aille là-dedans. J'ai absolument pas envie. J'ai vraiment pas du tout envie. Je vais commencer par aller de ce côté-là. Sauf que je vais me casser la figure et j'ai complètement oublié de mettre des blocs sur ma barre d'action. Je suis suicidaire. Ah, mais il y a une crevasse ici. Quoi? C'est une crevasse ou c'est pas une crevasse hein? J'arrive pas à savoir en fait. On dirait une crevasse absolument défoncée. Ah, ça peut me tomber dessus à tout moment. Ça remonte, c'est pas cool. Ok, d'ailleurs c'est bloqué. Ok, limite, c'est pas grave. Voilà. Et zut. J'aime pas ces... Ouhouhou. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Vous m'avez pas vu. Je suis invisible. Voilà, on va dire qu'ici c'est bouché, hein. Encore un peu de fer. C'est cool, je fais le plein à fond. Parce que du coup, il va falloir que tous les outils en fer, un stuff en fer à afficher, des blocs de fer. Oh mon dieu. Alors... Là c'est absolument le foutoir, de toute façon il y a trop de flotte pour que les mobs y pop. On va pas y aller hein. Alors ici c'est check. Ah tiens, il y a du fer. Ouh. Ouh putain là toi. Ah ah, tu peux pas voir hein. Tu m'as fait flipper. Mais tais-toi, 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 tais-toi. Je te ferais bien tomber, soit dit en passant. Hein. On va y avoir un squelette. Bah alors? T'es bugué? Non, t'es pas bugué. Oh, par contre, il peut me faire popper des copains sur la figure. Allez! Ça, c'est fait. Ça me donne pas envie d'y aller là. Ouf, 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 ouf. Ah, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Il me reste combien de temps d'épisode? 5 minutes? Ah là là. Il va bien falloir que j'y aille. Hein. On va se faire un pont. On va pas y aller trop vite. Et doucement. En plus, j'ai plus de torche. On va s'en refaire.
Alors, là-bas, il y a la crevasse. Là, il y a du fer juste en dessous. Il y a un zombie qui gueule. Ouf, t'es là. Putain, qu'est-ce que tu me fais flipper, toi? Lui et ses congénères, mais qu'est-ce qu'ils me font flipper? Ah! C'est ça, bug, bug. Moi, je me tire. Ouf! J'ai un fifou. Ouf, ouf, ouf. Oh la vache. Ah mais comment il a fait pour tirer dans son dos là? Il a tiré de dos. Ouais, il me faut un arc. Il me faut un arc de toute façon. Oh là là. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Et tiens, il y avait du fer là. Bon. J'aurais exploré une partie de galerie. Merde, j'avais pas vu. Oh là 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 là. Que c'est pas intelligent ça. C'est un truc à se prendre un mob sur la figure ça. Oh nom de Dieu. Oh là là. Je suis désolé mais vous devez vous marrer derrière votre écran ou alors me dire mais bouge tes fesses. Mais je peux pas. Je déteste ça. Alors, fait-il nuit, fait-il pas nuit? On va le savoir tout de suite. En remontant. Ah bah non, fait jour. Il fait jour. Bon, bah du coup on a pas mal de trucs à cuire, c'est déjà ça. 47 minerais de fer. Popopo, voilà, c'est déjà ça. Bon, bah c'est génial. Alors, ça dit quoi ici? Ouh, l'air libre. Enfin. Mais elle est mignonne cette baraque. Bon, il manque un toit. Mais elle est mignonne. Bon. Eh ben vous savez quoi? On va retourner au calme et on va se refaire de la coupe de bois. Oh, j'ai vraiment les nerfs qui lâchent. C'est ce que... Encore à plusieurs... Les grottes, ça me dérange pas du tout. Mais alors toute seule... C'est super flippant. Alors, bah vous savez quoi, on va essayer de préparer la base du musée. Donc je pense qu'on va se mettre... Je vais couper cet arbre-là. Il me gêne. Allez, casse-toi, tu me gênes. On va essayer de faire un truc sur plusieurs étages, parce que de toute façon, ça va me prendre pas mal de place. Je pense qu'on va bien taper dans quelque chose de... Alors, ici, on va boucher. Hop. J'essaie de faire quelque chose de pas trop cubique quand même. Toc. Voilà. On va se mettre jusqu'ici. Oui, c'est pas mal. Jusqu'ici. Toc toc. Voilà. Jusque là. Je suis bien sur la ligne. Jusque là. Alors ici, pousse-toi. Ici, tac tac. Alors oui, ça a l'air comme ça, ça a l'air cubique, effectivement. Mais je pense que si on se débrouille bien, pourquoi ne pas essayer d'avancer un petit peu ici? Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais avancer un peu ici, toc. Je vais avancer un peu par ici, toc. Ici aussi. Voilà. Donc du coup, toi tu me gênes aussi, et on va te couper. Voilà. Toi aussi, t'es en plein milieu, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Donc, du coup, le musée s'étendra de là-bas. Il va faire tout là, tout là, tout là. Tout là, ici. Hop, hop, un petit creux, ici aussi. Et voilà. Bon, c'est peut-être un peu abstrait comme ça, mais je pense que ça pourrait donner un bon truc. Maintenant, reste à savoir comment je vais faire les murs. Il y a un paquet de sandstone là-bas. Oh, ça fait déjà 15 minutes. Bon.
Il y a un paquet de sandstone là-bas. Et je dois en avoir un bon paquet déjà ici. Ouais, du grès. Est-ce que ça peut le faire si je mets du grès comme ça? Ouais, ça peut le faire. Enfin, faudra que je mette autre chose au coin que des blocs de cobble. Hein. Ouais, ça peut être sympa. Pourquoi pas de mettre de la cobble cuite et retransformer de la pierre taillée? Ah, pourquoi pas essayer de voir ce que ça donne. Ok, bon, bah voilà. Alors, bah, ce qu'on aura fait dans cet épisode de la galerie un petit peu, vous aurez vu comment je flippe. Je flippe à mort. Enfin, ça devait être sympa pour vous, ça devait être sympa. J'espère que ça vous aura apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé. Sur les réseaux sociaux, avec vos amis. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Twitter. Et puis voilà. Commenter la vidéo, etc. Voilà. Et ben à la prochaine, salut à tous !